Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sous Haitian Public Media. C'est Abner Gélin. Nous gagnons encore avec nous ce soir Fouenou Molo Scott qui voulait de toute façon eh bien, passer un moment avec nous dans la nouvelle assurance là. Donc, dans le grand dossier. C'est un plaisir que nous gagnons Fouenou avec nous. Molo Scott, bonsoir. Comment vous êtes? Merci, pas plus mal, Abner. Et chaque jour, nous avons chance pour nous parler à l'auditeur. Ça, c'est que bien. Et tout autant que je parle avec vous, c'est plus fort. Oui, parce que ces forces-là, je suis bien content de tout. C'est un plaisir que lié chaque fois que je gagne. Parce que vraiment, je me sens que l'énergie que vous partagez avec Mounio, ça va permettre que vous-même toujours été connecté. Oui, ouais. Comment sentez-vous même? Comment sentez-vous aujourd'hui là? Bon, on a pied bé là. Ouais, nous boit vite de l'eau. Mm-hmm. Et puis, n'a pas avancé. Très bien. Ouais. Très bien. Moi, je vois un pile et message, non mais un pile auditeur qui voyait des conseils et des remèdes qui ont parlé pour capable faire pour avec kidney surtout. Oui. Donc, moi, après le choix, j'ai envoyé au Baou, comme je te parlais avant hier sous ça. Donc, moi, je pensais peut-être que ça capable d'aider un peu. Donc, m'a fait rejoindre pour capable commencer pour eux. C'est ça, fait plaisir en pile. OK. Alors, qu'on a tout ça, tout remettre quoi, point fort pour eux en considération et puis toujours consulter médecin ou pour qu'on ait ce que vraiment les normal pour penser des remèdes en dehors des remèdes médicaux. Oui. Bon, aujourd'hui là, nous allons vraiment parler de plusieurs sujets et parce que nous sommes là, il me sentit que et puisque nous sommes là, donc il me sentit que voir pi bon que j'en ai hier là, parce que nous toujours suivre ça et peut-être vous reposer un peu ou gagner un peu d'énergie, si nous capables de parler, n'est-ce pas? Nous capables. Ok, très bien. Bon, vous connaissez la situation qui a déroulé là aux États-Unis, non seulement aux États-Unis mais à travers le monde. Et hier, nous avons parlé de Kim Jong-un en Corée du Nord, situation qui existait entre Corée du Nord et Corée du Sud, et implication pour l'Amérique et tout l'autre pays. Selon ça, qu'on dit, et pendant que nous avons parlé avant là, il y a une déclaration que Donald Trump fait. Qui ça qu'il dit? Bon, le président Trump dit que lui-même, de côté, parle. Il y a une petite dame comme ça, à savoir la fille de Kim Jong-un. On deux. Ok, on va parler de sœur et sœur et. La sœur. Mm-hmm. Yes. On parle des mamzelles. On dit comme ça que si ça de respectant, mm-hmm. humiliant, il dit que m'paka son pouvoir, c'est moi qui a dirigé le monde, c'est moi qui contrôle le monde, pour que dame n'a osé déclarer que m'son petit vaut rien, m'son petit patatif. Moi pas en rien et pas de jambe en rien, c'est seule position ça qui t'a mis là. Président Trump déclaré que l'appel pays bouche. Wow. Pendant ce temps, on connaît que dame non lui pas prend conseil dans mes qui que ce soit monde. Mm-hmm. C'est dans mes frères lui prend conseil simplement. Et au cas où que pour craser building Corée du Sud là, un building qui est financé par les États-Unis d'Amérique. Oui. Pour prendre des millions de dollars passés la donne. Parce que le building, ça, c'était pour que Trump soit capable de créer une relation entre Corée du Nord et Corée du Sud, n'est-ce pas? Oui, ouais. C'est ça qui fait que, auparavant, c'est la donne que nous avons traversée. C'est pas. On s'y bagaille particulier. Mais je dis à la, ça qui arrive, ou là, Abner. M'la, Makoto, m'y dois parler, Makoto. Ça veut dire que la situation est très délicate. Mm-hmm. Parce que dans la déclaration que Dame n'a fait, il dit que le président Trump non situation qui est délicate et le président il est prêt pour le parler tout. Mm-hmm. Parce que Dame n'a pas payé. Déclaration que c'est là. Et pendant ce temps, mm-hmm. Kim Jong-un dit, avec tout pouvoir que le gagne, Donald Trump n'a pas craqué de pouvoir ça. Et président Donald Trump lui-même, l'a travaillé.
Il dit que si, même deuxième mandat que le gars voulait faire là, même avant deuxième mandat arrivé, Kim Jong-un ne doit pas jamais exister encore. Ça veut dire que le président américain Donald Trump pour notre projet que aucun monde ne va compter. Eh bien, c'est ça là, qui cause que, ouais, que le Nord, en parlant de Nord-Coréa, il a agi, genre qu'il a agi. Parce que dans ce sens-là, il pensait que selon toute menace que les États-Unis ont fait, il y a une possibilité d'essayer de retirer monsieur ce pouvoir. Et c'est ça que le pays a toujours peur. C'est le changement de pouvoir. Parce que comme nous connaissons, son pays qui. C'est une dynastie liée de père en fils. Et yo même yo quoi que yo c'est pour yo et pouvoir y dans pays ça. Donc c'est ça qui fait que yo voulait attaquer une série de intérêts les États-Unis gagnent une série de côté. Bon, on a constaté que kounya économiquement Kim Jong-un sur le plan économique qui est de presque tout ça gagne dans pays. Li fait un business avec la Chine et que Chinois yo al travail dans la Chine, yo pas payé yo simplement comme la vini à gouvernement Corée du Nord là. Oui. Et ça vient by chance que monsieur bon fortune qui n'amel. Exactement. Et pendant ça n'a pas lié là. C'est que rêve président Corée du Nord là comme j'aime chez nous. Chez nous qu'on y a là, c'est pas si mystique mon gien qu'a pas en pile qu'on y a là. C'est bon âme là que le gien. Il va pas le dou, n'a pas le fait. Il nous n'a fait. Et puis l'eau paraît il peut être la caillou. Président Donald Trump a préparé là des armes nucléaires pour le capable de protéger l'intérêt des États-Unis. Oui, la Corée du Sud. Normalement, problème que les États-Unis gagnent, missile que pays Corée du Sud gagne, les États-Unis ne pas finir de contrôler. Parce que ça, monsieur, en majorité, la majorité missile, c'est en bas terre, en bas forêt. Ok, so, on va parler de Corée du Nord, missile que Corée du Nord gagne. That's it. Ok. Comprenez? Et c'est ça que les États-Unis besoin qu'on ait. Parce que les États-Unis besoin qu'on ait, si monsieur a envahi les États-Unis, ok, c'est pas pour la surprise. Et puis si monsieur prend au moins une centaine de missiles, un seul coup, il lance du temps pour les États-Unis, préparer tête, il a pour les États-Unis. Exactement. Et c'est ça que fait que le président américain dit que il n'est pas étonné pour le plati pays Corée du Nord. Et qui n'est pas facile, parce que, bon, monsieur Ko, qui n'est pas facile, parce que nous connaissons déjà que Corée du Nord est tout collé avec la Chine, si nous sommes capables de montrer Mounio. On a un sens de map là. Corée du Nord est tout cool avec la Chine. Si on regarde là, on regarde pour nous. Je vais montrer une image de map de Corée du Nord, Corée du Sud et la Chine, mes côtés de la Chine. Il est tout collé avec Corée du Nord dans le Nord. Ok. La Russie, il est tout près à la tout près Corée du Nord dans la zone ça là, comme nous sommes capables. Ça veut dire que Corée du Sud, c'est là que, dans Séoul, c'est capitale Corée du Sud, c'est là que toute. Et l'armée, je crois que presque 78 000 soldats, n'est-ce pas, qu'il gagne, qui dans la zone ça, c'est pas vrai? C'est quantité ça, je crois que l'Américain gagne là, non? Yes. OK. So, dans ce sens ça, si que les États-Unis t'a attaqué Corée du Nord, implication c'est que c'est facile que la Chine soit capable de venir au secours de Corée du Nord. Donc, la Russie est capable aussi de porter secours dans la zone ça aussi. Donc, moi, que bagay ça est capable de déclencher une guerre mondiale. Est-ce qu'on parle comme ça? Oui, possible. Parce que
tout ça gagne son conflit d'intérêt. C'est garder qui pays qui prend la bataille pour gagner grande puissance là. Et dans le moment on a parlé à là États-Unis pas trop bien vu dans problème première grande puissance encore. Mm-hmm. Parce que au cas où la Russie qui veut la jouer. Yes. La Russie qu'on y a là il a l'école en Afrique. Yes, true, c'est vrai. Gagne chinois yo. Mm-hmm. Il a l'école en Afrique. Ressources que chinois ont gagné en Afrique là là. Mm-hmm. Nous avons commencé à récupérer yo. Mm-hmm. Ma parle de l'or blanc, l'or jaune et autres. Mm-hmm. Et puis inclut la plus grande puissance qui la Russie. Mm-hmm. Eh bien, monsieur Sao le son met sous ce pays Sao. Oui. Et puis pour récupérer bien. Hein, et puis à la fin, puis on dit que nous gagnons contrôle le monde. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais avec la présence de Donald Trump, même si la bataille là, le pape quitte Bayo passer comme ça. Parce qu'il y a intérêt, il va pas quitter passer comme ça vraiment. Vous comprenez? Et moi-même, moi bon seul créatif. Mon seul créatif. Que il a assassiné la sœur de Kim Jong-un. Ah, vous pensez qu'il a assassiné mademoiselle? Il est capable. Parce que les gens font déclaration ça, ils vont jouer. C'est pas jouer. On est que l'organe on l'a armé, que c'est au grand tête lit. Frère, mettons en tête l'armée. Ya. Oui. Ou pas que nous faisons confiance encore. C'est tout simplement faire confiance. Au moins, ça veut dire que dans le moment actuel que nous avons parlé à la Yoka fait une combinaison et puis il a assassiné. Mon cher, selon ça que il fait qu'on est que dame ça, les plus dangereux que frère. Parce que selon Saoudi, parce que m'a dit pour qui ça, et j'aime vous allez agir, c'est comme s'il n'y pas parlé, facile, mais lorsqu'il parle, ça qu'il dit, il a fait. Yes, yes. Et vous êtes capable de voir que mademoiselle vraiment prouver ça, semaine ça, parce que deux jours après, il finit dit qu'il pourrait attaquer quelques targets qui ont intérêt pour la Corée du Sud, il fait le vrai. Il montre qu'elle pas jouer. Exactement. Donc, et assassiner mademoiselle, m'a dit qu'il pas facile. Et c'est pour une dame qui vraiment voyage souvent dans le pays ouest surtout. Non. Ça me pensait, si c'était dans le pays, il n'y a pas le fait, on espion tout, il y a mademoiselle dans le pays Égo du Nord, ça n'est pas facile. Même pourquoi ouais vraiment comment on va faire? Parce que mademoiselle, il y a un peu de sécurité. Parce que capable d'où c'est deuxième poignette Corée du Nord et Kim Jong Un qui m'a dit. Monsieur, c'est numéro 2 que lié. Oui. Dame qui est au pouvoir. Mm-hmm. Et Kim Jong Un respecté cela. Ça veut dire que ça c'est à dire parole qu'il dit c'est parole ça yo respecté par Kim Jong Un. Et si par hasard, Amérique, nous disons que l'Amérique a eu un point dans le monde, quel point foyer, quel point soya, ça va changer en rien dans la dynamique pouvoir qui gagne dans la Corée du Nord. Non, parce que son gouvernement qui établit. Yeah. C'est un gouvernement établi comme ça. On met changer deux, trois mondes là-dedans, il va pas changer rien. Non? Exactement. C'est toujours le même bagaille là. Eh bien, nous allons prendre un petit peu tout petit. Et puis, nous avons tourné avec la Chine et l'Inde.
parce qu'il y a un gros bagage qui passe entre deux pays ça là. Et après ça, nous allons parler de la situation en Haïti, de Jovenel Moïse, nous avons bien bu. Et non seulement ça, nous allons parler de Trump aux États-Unis. Nous avons un petit peu tout petit, nous avons tourné. Ok? Ok. Ok, de retour, Moulo Scott, nous là encore. Eh bien, on nous parle de situation qui a passé la Chine avec l'India. Parce que selon ça, nous connaît, deux pays, ça, on a une situation côté que la guerre est capable de déclencher derrière là. Qui ça, qui est capable de faire? Est-ce que les Américains, parce que nous connaissons actuellement les Américains qui n'ont pas de pouvoir encore, le plus souvent, les gens qui parlent, les gens qui écoutent, mais qu'on a l'assemblée que l'Amérique a perdu un peu le pouvoir depuis sous Trump. Si que l'Amérique n'a pas dit rien pour mettre la paix entre deux pays, ça ou là, qui pays vous pensez capable de passer comme un médiateur dans le temps? Bon, on connaît que après la Chine, pays qui a plus de monde dans le monde, c'est l'Inde. Inde a pile de monde. Ils rappellent que le président Trump fait son visite aux Indes. Toujours pour intérêt les États-Unis. Yes. Les peuples indiens, ouais, présence, président Trump. Oui, bah, il était dit sauvé. Yes. Un président, un président Trump qui vient visiter, le peuple, ça n'a pas de grand goût encore. Il est dans la misère. Les papes dans le bâton, les papes dans la torture, les papes dans la disparition. Et puis, le gars dit, il t'a vraiment pays dans la, son bagage qui est terrible. Oui, parce que ça crive, c'est espoir ça que Donald Trump te vend en pile pays. Faut comprendre bien. Et si vous avez suivi la campagne que Donald Trump a menée, en 2016, 2015-2016, ouais que son président qui pourrait avoir une relation très sérieuse avec un pile pays, et qui peut apporter la paix, qui peut apporter manger, comme si ils sont businessmen, job pour créer tout côté dans le monde entier. C'était l'idée ça qui un pile pays te gagné. Ok? Parce que puis eux-mêmes, les regarder dans toute ville, ils ont des gros, bah, qui les Trump Tower, sont série des hôtels que Trump bâti. Eh bien, ça, les bah, l'autre pays, ils ont pensant que well, lorsque ton président va pas changer. C'est vrai. Et c'est ça le dé, oui. Oui, c'est ça le dé, et c'est ça un peu monde. Bon, même haïtien et tout. Pour me capable mon petit genre et parce que le plus souvent toujours critiquer en pile de gens qui ont été poussés Donald Trump, mais moi je dois comprendre parce que dans moment ça il était raï Hillary Clinton à cause de toute bagaille qui était passé en Haïti et puis on sait que même tout malgré toute pas de vérité mais en pile qui vérité dans yo. Quand il y a là Donald Trump qui paraît tête comme un sauveur dans moment ça. Donc et monsieur promet, il font pile promesse que le pas les faire pour yo. Donc yo prend en quoi. Et c'est ça qui rivé endo, me penser. Et bataille entre Inde et la Chine même de côté pas yo. C'est pas facile. Parce que l'autre pays va rentrer là-dedans. Oui. Du coup, on va proposer aux pas accepter la fête comme ça. Il va demander un dialogue. Et Donald Trump ne voulait pas être comme un bon sauveur. Il ne va pas coûter l'encore. Non. Parce que la Chine n'a pas gardé Donald Trump pour rien. C'est le seul président qui est plus pauvre en popularité. C'est vrai. C'est vérité. Bon, on l'origine non pas comme ça. Qui ça le cabar encore pour cabar rien. Il y a un dernier coup le café, me dit ça déjà. Il y a un dernier coup le cabar là et pour tout le monde vient Donald Trump carrément.
Ma pensée là, comment le café? Parce que nous parlons de ça, ou dit ça souvent. Il me tendo, dit me pas dit non. Mais dans tête moi, je pas capable de calculer yon qui j'en pour le faire, qui j'en te café un coup. Parce que monsieur pas populaire même. Tout pays, tout gros pays comme le Scott, yo considère monsieur comme yon qui pi mal. Pas un pays respecte monsieur dit non. Mais c'est parce que pas respecté là, oui. C'est que les chronènes n'ont pas de popularité. Mais ils ne font pas un monde là. Ils font tout le monde nous repenser à lui-même. Mon cher, et ça, il y a une possibilité. Parce que si vous avez écouté l'émission matin, nous avons parlé de John Bolton, qui c'est conseiller sécurité advisor pour conseiller sécurité nationale pour Donald Trump qui monsieur était quitté monsieur qu'on libre qu'on y a là qui parle sorti et l'autre semaine là eh bien le président des États-Unis Donald Trump avec toute et premier police là qui c'est Barr eh bien yo relé eh bien et Bolton dans la justice pour que livre là pas sorti livre ça a un secret qui moun pour le saisir. Pour attendre. Donc, si vous watch chaud matin, m'encourage à le watch li pour capable voir situation de Bolton avec Trump et Barr et qui secret livre ça lui-même qui est là-dedans. Il m'a dévoilé un peu dans secret qui était dans le livre là. Donc, ça veut dire que avec toute situation qui a passé Trump là, il y a un bête qui est blessé et à n'importe quel moment qui a fait action. Pourquoi vous reprendre le pouvoir dans le monde? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, tout ça. Bah, que mon pas de gens m'attendent que le prince fait le et pas étonnant. Président Trump qui a crucifié n'importe président qui est dans le monde là. Pour pouvoir lui apparaître belle. Mieux préciso, non pas me fait droit à l'aventure Ernest Moloskou. Président Trump qui a crucifié n'importe président dans le monde là. Pour le paraître belle devant la société. Et ouais que c'est l'homme du temps. Yeah. Cher, et autre jour, nous t'a parlé. Et nous avons parlé de caractéristiques de président Trump comparément à tout l'autre gros dictateur, tant que Hitler, Mussolini, tout le monde avec ça, Idiamine Dada. Ouais. Et nous avons découvert que toute action que monsieur prend, parole, c'est pour qu'on puisse mettre côte à côte avec monsieur Sayo. Côte à côte. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait que le monde inquiet. Parce que dans le 20e siècle, ça, dans le moment où nous sommes là, dans le 21e siècle, on veut dire, nous pouvons avoir un monde qui pourrait arrêter dans l'histoire comme un criminel sans pareil. Et un peu de monde peur pour que ce n'est pas Donald Trump qui est devenu le monde ça en attendant ça. Il y a un débat qui peut voir là. Il y a un débat qui peut voir là. Parce que bon, nous avons un débat Scott et. On nous prend un exemple de ça qu'on a fait là, le 20 juin qui a venu là. On a parlé de ça. Côté que Trump a mené 19 000 personnes dans une seule place pour assister à faire un discours. Il y a un moment côté que tout scientiste, CDC, avec toute organisation qui est responsable de santé aux États-Unis et à travers le monde, dit que c'est une erreur catastrophe que le poilier. Pour t'amener tout le monde ça yo non seule place pendant que pas gain vaccin pour virus ça que nous gain de yo là un virus qui si tellement contagieux c'est dans l'air que lié ou pour amener tout le monde ça un seul côté ou que t'en connais qui ou pas infecté avec qui esprit qui ça on pas comprendre qui ça que Trump a cherché quelle idée. M'pas capable comprendre les mots le score. Tout ça me fait penser, mais c'est penser, m'pas capable joindre vraiment et rationalité à. Pour qui ça que l'ouais qu'il nécessaire. M'connais que c'est parce que l'ai élu.
Mais pour qui ça, il prend le monde ça la sacrifier comme ça? Posez cette nos questions. Nous t'avons parlé auparavant du coronavirus. Nous changeons de phase coronavirus là. Côté que Mounio yo dit que telle zone a bien 10 000 moun kapal mouri. 10 000 moun, c'est pas 10 000 moun comme ça, non? 10 000 moun, c'est pas 10 000 moun, 1, 2, 3, non? Comment on peut comprendre? Un virus, ou bien maintenant c'est tout, que 10 000 moun pral mouri. Ou équipe qui dit que semaine kap vinyan là, il y a une trentaine de mille moun kapal mouri. Posez-toi ton question. C'est qui est-ce qui a tué Mounsayo? Qui plan de travail qui gagne pour détruire Mounsayo? On nous dit, un monde qui habite New Jersey, un monde qui habite Californie, et puis le temps de non-lis, il mettait que dans deux jours là, il y a au moins 30 000 personnes qui ont mouru. Pendant ce temps, moi habité Californie. Yes. Et puis, c'est gardé, mon gardé. Il a dit, il y a 30 000 personnes qui ont pris la rue, il y a qui mouru. Est-ce que vous voyez? Non. Est-ce qu'il y a la veille? Non. Est-ce que c'est pour un bruit courir que vous faites? Tout ça, vous arrivez dans une phase. Allô? Là, je suis là. Je tape display le monde qui mourit dans le coronavirus pour que vous soyez capable de garder. Très bien. Ça veut dire que vous dites que dans telle zone, il y a beaucoup de monde qui mourit. C'est comme des doux, rappelons des plus avant des doux. Yes. Il dit, mais non, mon cher, c'est pas ce qui est lié. C'est pas la réalité liée. Nous avons dit, non, non, pas. Nous avons dit, non, bon. C'est une politique à fait. Parce que quand il y a là, on a regardé, ma plan, on voit que il y a 118 000 personnes qui mourent aux États-Unis. Il y a 2 179 000 personnes qui sont infectées avec le coronavirus. Là. Okay. Maintenant, il est vrai que soit regarder graphe là commence à descendre dans le sens côté que quand là nous gagne au lieu que nous avons gagne on a fait de et bon ouais, nous avons gagne on a fait de 36 000 monde par jour qui est infecté. Actuellement, nous gagnons 23 000 par jour qui est infecté. OK. Et hier, tu gagne 869 monde qui mourit comparément à 2500 qui était comme mourir dans le mois passé là. C'est possible vraiment et j'en suis capable de voir que l'infection hein, continue de diminuer dans le pays, aux États-Unis. Mais, mais aux États-Unis, toujours, son pays qui est plus infecté parce que tout l'autre pays qui existait. OK. Donc, malgré que ce n'est pas ici, bah, elle a commencé en Chine. L'Europe de la Chine, situation la Chine a vraiment commencé à améliorer. Si on était capable d'avancer sur la Chine, on était capable de montrer qu'il était mal dans le monde complet. Pour me travailler mon yon puis ta ouais globalement et si nous regardons la Chine bon ouais la Chine ou capable ouais que mes Chine ou capable ouais que comparément ouais c'est combien de monde qui était infecté dans la Chine 684 000 li pas 2 millions OK li pas 2 millions en Chine I'm sorry on regarde mauvais côté. Nous voulons garder la Chine. Donc, les États-Unis, ils gagnent plus de monde qui gagne. Bagage, je vais le dire, non? Donc, regardez Chili, ça c'est one place. Qui gagne, ils gagnent plus de monde qui est infecté que tout l'autre côté. Ok. Moi, bagage, je vais le côté de la Chine. China. Vous voyez là où tire parmi le groupe là. Mais pas de problème. C'est dans le sens que les États-Unis, qu'on y a là, ils gagnent plus de monde qui est affecté que tout le monde dans le monde.
Est-ce que d'après vous-même, vous pensez, il n'est pas en vérité, ou bien, qui sont pensés? Bon, on a vu que ça existait. Même plus, on dit que son bac est programmé. Là, prend du temps. Oui. Mais il y a mis de vérité à l'heure. M'jouen montant et bilan pour la Chine. Actuellement, sous gade, le Scott, la Chine complètement presque effacée avec coronavirus là. OK? Presque effacée coronavirus là. Vous pouvez imaginer, c'est la Chine qui était sous bagaille là. Mais la Chine complètement li vert et graph là li descend complètement. Comparément l'Europe et l'Amérique, où est son bagage qui est complètement différent de gens que ici les mêmes liés. So, d'après vous-même, vous pensez que son bagage qui planifie, son bagage qui programme que lié. Normal. Dans le sens programmation, vous pensez, c'est que yo fait li plus capable puis dans qui sens plus capable et faire mon faire que mon sauter ou bien plus capable tuer mon tuer mon mon cher ou pas faire ça non mon de pas fait pour belle visage non pas c'est la gagne wow donc dans cas ça ça me capable dit me souhaiter que mon qui dit là prend des précautions parce que et le plus souvent, pas grand prix, le précaution qu'on prend que seulement lage toute la vie ou bah bon Dieu. Parce oui. Que l'homme vient garder nous-mêmes qui vivons sur la terre, c'est un comme de l'homme contrôlé presque toute la vie ou. Donc, c'est seulement bon Dieu qui a bon protection. Aucun autre monde n'est pas capable. Non, pas grand qui est capable. Bon, mon compère, nous pouvons quitter l'in conversation ça parce que nous commençons à avancer là. Nous pouvons parler. Très coûte de Haïti. Nous avons qui nous parler plus de Jovenel Moïse et parce que ça lui-même c'est un sujet qui en plus on a demandé de lui-même pour connait qui le vraiment Jovenel t'a doit quitter pouvoir selon constitution pays. Oui, donc Jovenel Moïse tellement président Jovenel Moïse. Je ne vais pas même commencer. Pour aider, je vais parler de lui-même. Oui, moi ça. Je vais parler de lui. Et le monde qui a posé des questions, pour qui ça? Que mon lorsque je prête de président Jovenel Moïse. Premièrement, c'est président pays. Mais qui a passé, qui pas fait bien, qui fait chez l'autre parler. Oui. Bon. Comme son dossier, tabou que tout le monde a aimé connaître. C'est ça que nous-mêmes nous pensons. Je m'avais dit que normalement, président Jovenel Moïse a supposé laisser pouvoir légalement. Oui. Février 2021. Oui. Mais, alors, je me dis que je ne vais pas même parler de Bray Sayo. Prononcer M. le président Donald, président Jovenel. Jovenel, non, jamais, ça m'a intéressé. Et ou après
prendre note pour moi aujourd'hui. Président Donald Trump, président Jovenel Moïse, pas blessé pour voir 7 février. Non. Bon, allez, si vous voulez ça. Dans le moment où on a parlé là, Jovenel Moïse, c'est lui-même légalement qui a tout pouvoir en amel. S'il prend une décision, il veut le mettre. Premier ministre à côté de la mettez. Mettez un tel à côté de la mettez là, un tel tel côté. Il voulait prendre une décision pour le dire bon, moi-même, en qualité de Jovenel Moïse, moi, c'est président pays. Moi, pral à Angers, laisse à Wabouine. Et monsieur opposition qui pral prend la rue a manifesté mandé à ba Jovenel à l'UEP parce que la majorité là dedans pas camper sur rien. Oui. Cause de pouvoir que Jovenel Moïse gagne là. Bal accès. Dika dit que bon. Pas on connaît un virus qui a des problèmes dans le pays. Face à l'insécurité qui a des problèmes, moi j'ai décidé de créer une commission pour 2 ans encore. Regardez ça, Mdou. Pendant ce temps, les gagnants, le 7 février 2014, de 2021 là pour laisser voir mais comme il y a pouvoir ça lui-même comme chef d'état il a décidé pour le battre le mandat ça c'est pas arrivé mon cher bon Dieu bagaille et dictateur sauvage ah mon cher bon Dieu et semaine ça et ou t'es malade pendant que bagage ça va te sortir et me connais qui ça que qui rivait promesse que je venais te faire li vraiment et détourner de promesse li li bail sénateur l'argent qu'il te promet que t'as pas bâti lycée avec là et monsieur vraiment éprouvé qu'il n'y a pas aucun désir pour vraiment faire rien de changement dans le pays, qui est lui-même, qui est opposition, toutes ces mêmes bagailles-là. Et M. Moun, qui était vraiment bien mis sur un peu de crédit, et ce sont je bac année et bon décembre, janvier, on a parlé de support pour le président parce qu'il était élu. Mais là, je viens regarder, men, ouais. Et M. Sayo, je ne pas considérer chaises qui n'en parlent, qui gagnent en pinaise, là, dans le début de Mordeau. Et puis il faut oublier tout pour mettre ce qu'on fait. Mais quand même, et tout monsieur ça, yo, mon cher, yo n'a pas de compétences pour yo gouverner Haïti. Et ça, dit à son vérité, son élément qui nous a venu tourner en dictateur. Et mais l'a obligé parce que l'Ipral, ouais, que l'Ipac a baillé 2 ans encore. C'est le prolongement d'elle. Et puis là, montre insécurité. Il y a montre plus de monde qui a mouru dans le pays là. Et puis, des leaders politiques qui ont tombé. Et pour l'élection, pas possible. Moi, j'ai eu 2 avocats qui étaient pour mettre, puis venir sur HPM, puis venir expliquer la situation de et différence entre 2021 et 2022. Parce qu'il y a 2 camps en Haïti, comme on connaît. Il y a un camp qui dit que Jovenel Moïse doit aller le 7 février 2021 et il y a un autre camp qui dit que non, il est supposé aller le 7 février 2022.
Chaque moun sa yo, yo utilise la constitution Haïti pour supporter l'argument qui yo gagne. Donc, okay. Yo gagne deux éléments intérêts qui vraiment imbuent de sujet sa yo, qui ta avlé et fait un débat peut-être semaine sa ou bien l'autre semaine, puis yo ban nou tout et contexte là, afin qu'on capable comprendre vraiment qui ça que lié. Donc, okay. Il tape un bon bagage, donc on a essayé faire tout arrangement yo, puis ou même na chita, na parlé avec yo. Et puis pour nous tendre qui côté au campé côté jouer un argument paywa l'un l'autre c'est y a tout de différents deux mondes différents qui parle très intéressant. OK. La très bon. Oui. Mon cher mon compère nous prend presque 40 minutes, on pas jamais penser tout en ça, on a parlé et oui. nous dit merci en pile pour tant qu'on passé avec nous et sorry on pas prendre tout en ça avec vous parce que nous pas trop bien. Mais quand oui. même, et moi je vous remercie. On l'autre mot à le dire à public là. Je dis mon Dieu que moi aimé. Je toujours aimé. Et puis, je salue. Salue toute l'équipe là. Et merci. Puis, demain. Allez, non. La présent. Ok, très bien. Continue de former. Pas de problème. Merci, okay. Merci beaucoup, mon frère. Nous disons merci à tout le monde qui t'a écouté. C'était Abner Gelin pour HPM Haitian Public Media et Molo Scott Zaminou. Good night. Merci. Bye-bye.